Bon, eh bien nous sommes le 31 juillet 2016 et on est à Mulhouse. On est à Mulhouse, ça y est, on a pris un train de Paris à Dijon où on s'est tapé trois gosses horribles qui n'arrêtaient pas de brailler. On n'en pouvait plus, on a changé de train finalement. Deuxième train, ça s'est bien passé, on est arrivé à Mulhouse. Et on a interrogé un local pour savoir de quel côté était le canal et on avait complètement oublié qu'ils avaient un accent de fou. On s'est retrouvé quoi. Donc voilà, finalement on a trouvé le canal. Donc on va aller au canal. Voilà, essayer de trouver le début de la ville. Voilà. Je pensais pas devoir dire ça un jour, mais j'ai fait du L en fait. Le M c'est beaucoup trop serré. En plus, je suis vraiment super humide, comme en Guyane quoi, c'est un truc de fou. Et du coup, le short moulant là, c'est pas du plus agréable. Alors, moi je t'avoue, je ne fais pas du L mais du XL et j'ai le même problème que toi. Donc on est à 16 km de Montbéliard. Ouais, on a... Ah, on a fait déjà 40 bornes là, 39,84 GPS. 39,70. Ouais, on fait du... C'est parce que je me suis éloigné pour faire pipi tout à l'heure. Triche. Ouais, on fait du 20 à l'heure là. Ah ouais, on fait du 20 à l'heure là. Là, on marche bien là. Tu sais que t'as un mouchon dans l'œil. Ah bon? Oh. Ah merde. Merde. Messieurs, voilà, ça s'est démarré. Donc, nous voici en ce deuxième jour de notre périple en Franche-Comté. On s'est pété le bide ce matin, encore une fois. Et là, on est de nouveau sur les routes, après une remarquable preuve du sens d'orientation de Emmanuel, pour retrouver le début du chemin. Je me suis même prosterné. Il s'est prosterné. Oui, il s'est prosterné. Je fais la grande prosternation. Le mantra de la grande prosternation. Et du coup, bah là, on est reparti vers Besançon et puis direction Besançon. Voilà. Alors, on ne sait pas trop où on va dormir ce soir. Peut-être qu'il y a un camping vers Baume-les-Dames. Baume-les-Dames. Ouais, ouais. Voilà, on verra tout à l'heure. On téléphonera pour savoir s'il y a de la place. Voilà. Voilà, il fait une journée magnifique. Ouais, mieux qu'hier. Donc, on a de la chance. On vous retrouve après la pub pour de nouvelles aventures. Murmurer ton prénom en m'éveillant,
Donc, on a fait combien? On a fait 31,89 km jusqu'à présent. Et on s'arrête pour une petite pause et on va aller jusqu'après Baume-les-Dames, à environ 30 km d'ici, parce qu'on a trouvé de la place dans un camping. Donc, pause lyophilisée, pasta with chicken in a curry sauce, plus au dessert, des pains au chocolat grillés au feu de bois. Et un petit... Oh là là, c'est quoi ça? C'est du chocolat. L'étale pas sur le croissant. Et donc, un petit café, un petit thé pour partir. Et il fait une journée magnifique. On est en train de cuire, je vais encore peler comme un oignon, mais c'est pas grave. Et on croise plein de vélocyclistes, comme le petit monsieur qu'on voit derrière. Exactement, on croise plein de vélocyclistes. Il y a une très bonne convivialité entre les randonneurs. C'est des grands bonjours, c'est vraiment c'est très très agréable. Voilà. Heureusement, on a trouvé un petit villageois très sympathique qui nous a dépanné en deux bouteilles d'eau d'Evian bien fraîche. Et du coup, là, ça repart. Là. On a une petite déviation sous le soleil. Bon, on a des bottes de foin, là, c'est chouette. Bien dormi? Ça va, trop court. Comment ça, trop court? Faut pas qu'il me réveille à 7h. Allez, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de se lever. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on a une grosse étape quand même aujourd'hui. Ouais, mais bon, 7h... On a 80 bornes au moins à faire. 7h, c'est dur en vacances quand même. Oh oui. Rando. Rando montagne, d'accord, on y va tôt, mais là... Regarde, tous les Allemands, ils sont déjà partis, là. Non, ils sont encore. Bon. Donc, c'est troisième jour, hein. Ouais, troisième jour. Troisième jour. Petit regonflage de pneus. Bon, ça fait un peu humide. Ouais, il fait pas grand beau, là, comme hier. Hein. Pas grand beau, non. Bon, plus que 20 km. Voilà. Je comète sous la tente. Moi, je pète la forme. Non, je vais accrocher mon vélo, tiens, tu vas comprendre.
Alors, combien de kilomètres aujourd'hui? 74,84. Non, moi j'ai 75 à ma montre. Ouais, donc 75. Là, on est au camping de Rancho. Alors, on a planté la tente. C'est un peu rustre. Mais bon, voilà, on va aller manger une glace, peut-être une pizza. Je lance l'idée comme ça. Voilà. On va l'explorer un peu. Voilà. Tu remarqueras que j'ai préparé le petit déjeuner à l'anglaise. Mais qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai dit et j'assume qu'on pourrait attacher mon vélo au tien, comme ça tu me tractes pendant toute l'étape d'aujourd'hui, pendant que je dors sur mon vélo. Tu penses que ça va être dans YouTube ça? Non. Oh non, avec ma tête de réveil là. Que t'es follower. On va dire comment, quoi? La commando marine. Non mais il y a des jours... Tu plaisantais? Non. Non. J'imagine déjà un système pour attacher mon vélo, tiens. km 90, on pète la forme et il fait beau, on a eu raison de partir à 8h15 ce matin parce que je sens qu'on va crever le chaud aujourd'hui. Oui. Ils annoncent 30 degrés à l'ombre, donc on a intérêt à en faire le plus possible le matin. Oui. Attends, j'ai du chocolat sur mon duvet, y'a rien qui va. Comment tu peux m'interviewer dans des situations pareilles? Non mais, excuse-moi de t'avoir... situation de crise. Excuse-moi de t'avoir pris un pain au chocolat, rempli de chocolat de bon matin. T'es pas censé tomber sur mon duvet. T'es pas censé manger comme une cochonne. C'est pas censé être si coulant. C'est vrai que j'en ai plein les doigts moi aussi. Voilà. Donc, on reprend. Quoi? Donc, dernière journée. Oui. Cache ta joie. Cache ta joie. Ouais, donc dernière journée, 40 à priori 40 km jusqu'à l'hôtel. Et voilà. Et voilà. Ça sera fait. Ça sera torché. Alors Emmanuel, ça y est, il pleut. Ah, il pleut, ouais. C'est un peu les trombles. Bon. Pourquoi il est tout rouge, cette vache? Non, mais là, je te filme. Donc, il pleut. Ouais. Kawé hors notre kawé. Bah, je vais essayer de mettre mon kawé sur mon sac pour pas que le contenu soit mouillé, mais sur moi, non. Parce que c'est le genre de truc qui fait sonasse. D'accord. Donc, on se la joue, commando marine. C'est ça. Pas de kawé. Pas de kawé. Ça va nous laver de la crème. Ça, c'est le chocolat là qui est. Hein? C'est le chocolat ça ou c'est la poubelle?
ça c'est la poubelle. D'accord. Bon, on a encore 6 km à faire, sous la pluie. Force et honneur. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée, ça. Tu vas te prendre le kawaii dans les rayons du... Non? Mais non, je vais... ça c'est sur mon dos, ça. Ah oui. Regarde un peu. Ouais. Astucieuse. Je vois un baluchon. Attends. Ce n'est pas fini. Et hop. C'est astucieux, hein? Astucieux. Et voilà. Voilà, alors. Filme l'hôtel super chic. Saint-Georges Hôtel. Un hôtel 3 étoiles pour alors, terminer le. On va se présenter tout en sueur, tout crado. Oui, bah. C'est comme ça. Bravo. Bravo. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, on a fait une étape de. 52 km. C'est bien, en tout on aura fait 330 km à peu près, hein, voilà. Bravo. Alors ce qui est bien, c'est que demain on a la gare. Juste là. Juste là. Voilà. On aura peut-être le temps de prendre le petit déjeuner continental. Oh, mais c'est sûr.